Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, c'était une journée de juin, une journée très chaude, une journée qui ressemble à beaucoup d'autres dans cette région poussiéreuse et désertique du nord de la Tanzanie. Le soleil se lève et projette ses rayons sur un Kilimandjaro en éveil. Celui-ci semble scintiller. C'est une journée de lumière, une journée sous le signe des anges. Anita Lichombizé vit avec sa famille, son frère et ses parents, dans un petit village du district de Meru, une région d'Arusha. Ils vivent loin des circuits touristiques. Ils vivent loin de l'école, loin des dispensaires, loin de l'eau, loin de l'espoir. Une vie dans la poussière, sous une chaleur cuisante, c'est leur vie. Anita, comme tous les Tanzaniens, a pris le nom de son père, Licho. Sa mère s'appelle Dainess. Anita appartient à l'une des nombreuses tribus tanzaniennes. Elle appartient au peuple Meru. Dans son village, les hommes travaillent dans les mines, font marcher les bêtes, entourés de leurs petits garçons qui suivront les traces de leur père, de leurs oncles, des hommes du village. Les femmes sont des mères, des grands-mères. Elles sont des épouses. Mais les femmes sont surtout des êtres mutilés dans leur chair. Les femmes sont excisées. Anita ne sait pas ce qui l'attend. Personne ne peut rien faire. C'est la tradition. Dans la tribu d'Anita, les mutilations génitales sont un rituel pour écarter les jeunes filles de la délinquance et pour qu'elles n'aient pas de relations sexuelles avec plusieurs hommes, pas de relations de plaisir, pas de plaisir impur. L'excision des jeunes filles est un passage obligé pour elles dans le développement de la femme qu'elles deviendront, de la mère de famille, de l'épouse qu'elles seront. Les jeunes adolescentes subissent ces mutilations immédiatement après leurs premières règles, symbole d'un mariage approchant, d'une entrée précipitée dans leur vie de femme. Cette tribu croit également que la mutilation génitale des femmes a une fonction hygiénique et sanitaire. C'est pour cette raison que l'excision peut parfois être pratiquée, dès le plus jeune âge, pour guérir des maladies urinaires ou génitales. Anita sera la 8e jeune fille excisée en 2022 dans ce village. La Tanzanie n'est pas un sanctuaire protégé qui ne connaîtrait ni la protection des droits humains ni les lois internationales. En 1981, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est venue se marier à la Déclaration onusienne de 1948 dans la protection la plus absolue de la vie humaine, dans l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants, dans la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe. Depuis 1998, la pratique de l'excision est un crime en Tanzanie. Malgré cela, cette journée de juin sera la dernière pour Anita. Peu importe la loi, la tradition est inébranlable. Puisque la tradition est l'héritage des ancêtres titulaires d'une parole sacrée en Tanzanie, elle est indiscutable. Il règne en cette journée un soleil de feu. Un soleil puissant et âpre inonde ce début d'après-midi. Anita est entourée des siens. Elle est allongée dans la poussière de sa maison. Dans le respect le plus pur de l'héritage, sa grand-mère maternelle enfouit la lame traditionnelle dans l'intimité la plus absolue de la jeune fille. Anita vient de se faire retirer le clitoris. Anita est excisée. Couchée dans la poussière, l'insouciance d'Anita s'est envolée. Mon ange, tu es mutilée. La cérémonie est secrète, contrairement à ses pères de quelques années de plus qu'elle, qui souffrent en groupe sous les chants et les cris de la communauté. Mais Anita va souffrir,
Elle va subir une nuit de douleur. Elle souffre de graves pertes de sang et ses parents ne lui sont d'aucun secours. Ils finissent néanmoins par la transporter au dispensaire du village, à 45 minutes de marche de chez eux. Sur place, ils se murent dans le silence. Les médecins ne comprennent pas, désarmés face aux cris et aux questions sans réponse. Anita est allongée. Anita hurle de douleur. Anita perd tout son sang. Deux jours plus tard, Anita décédera. Dans l'intimité et l'atmosphère prophylactique d'un dispensaire tanzanien, entouré de parents coupables, de médecins impuissants. Anita avait 4 ans. 4 ans et demi, comme aiment le préciser les enfants. Une demi-année qui fait pour eux toute la différence, tant leur envie d'être un grand fait d'eux des êtres à part. Mais Anita, elle, ne sera jamais grande. Anita, elle, ne sera jamais une adulte. Anita, elle, ne sera jamais une maman. Elle n'est plus de cette terre. Elle en est aujourd'hui recouverte, à 6 pieds en deçà, dans une indifférence indicible. Mon ange, tu t'es envolé. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La mort d'Anita, c'est une atteinte à la vie, sa vie. Mais la mort d'Anita, c'est surtout la mort d'une enfant. Une mort dans des circonstances sanitaires désastreuses. Sa mort, c'est une atteinte au droit à l'accès aux soins, au droit de jouir du meilleur état de santé possible. Mais la mort d'Anita, personne ne la connaît. Car personne ne doit la connaître. En Tanzanie, la presse est contrôlée par le pouvoir et l'opposition muselée. Il n'y a aucune trace de cette histoire dans la presse papier ou numérique. Sur place, c'est un fléau. Des petites filles sont parfois mariées de force, violées, excisées, dans la cruauté d'un pays étouffé et bâillonné. La corruption gangrène un pays où la religion est l'opium du peuple. La Tanzanie refuse que les citoyens saisissent directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples une fois les voies de recours internes épuisées. Car la Tanzanie ne veut pas de vagues, la Tanzanie ne veut pas d'esclandre. Elle impose par la force, par l'oppression, par la contrainte. La République unie de Tanzanie n'est qu'un simulacre de démocratie. Ce qu'a subi Anita, ce que subissent ses pères, n'est pas une coutume. Entendue comme la preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit, l'excision n'est pas une coutume. Cette histoire, je vous la conte aujourd'hui car, dans cette région, j'y ai vécu, durant des mois. Ces tribus, je les connais, je les ai découvertes, rencontrées, côtoyées. La mort de cette petite fille, 2 jours avant mon arrivée en Tanzanie, me bouleverse. La femme qui m'a raconté cette histoire est une femme radieuse et lumineuse, une femme instruite et engagée. Elle fait elle-même partie des tribus Mérou par son père et Maasai par sa mère. Elle est le socle de ces communautés et ethnies dans la région, celle qu'il faut appeler quand ça ne va pas. C'est elle qui a assisté à l'incommensurable souffrance d'Anita 2 jours durant. C'est elle qui l'a accompagnée dans la mort. Elle se bat depuis des années pour qu'à l'avenir, plus aucune fille ne subisse le sort qu'elle a elle-même vécu, à 5 ans, elle aussi. Elle investit son temps et son énergie, elle fait ce qu'elle peut, mais elle a peur. Je ne peux vous donner son nom, je ne peux vous parler d'elle. Le papier que j'ai rédigé avec elle, signé et tamponné de sa main,
doit rester strictement confidentiel. Il en va de l'avenir de son association, de l'avenir de sa vie, de celle de sa famille. Mais elle garde l'espoir. L'espoir qu'un jour, ses efforts permettent d'étouffer ces traditions centenaires, pour que la mutilation au nom de la tradition devienne un crime sévèrement réprimé. Anita est décédée dans l'indifférence la plus complète, terrassée dans son insouciance. Mais aujourd'hui, Anita, on parle de toi. Mon ange, tu es honorée.